Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue donc dans cet épisode 18 de Au coin du DVD. On va rester dans la lettre H dans cet épisode, parce que donc je ne l'ai qu'à peine exploré la semaine dernière. Il y a beaucoup de films que j'aime dans cette lettre H, comme je vous le dis quasiment à chaque lettre. Il y a Les Hommes du Président, que je trouve être un immense film, genre vraiment un très grand film. Il y a peut-être juste des petits délires, genre High Rise ou Hollywood Comment ça s'appelle déjà? Hollywood Air Force. Ça, c'est un film que m'a offert Capucine, qui est quand même une sacrée perlouse complètement pétée. Il y a Haute Tension, qui est un immense long métrage. Et il y a des films qui sont très mésestimés. Et le film dont je vais vous parler aujourd'hui, vous le connaissez. C'est pas un film qui est mystérieux, c'est pas un film qui sort de ma petite besace, c'est un film qui est connu et reconnu de tous. C'est l'adaptation d'un personnage de comics. Un personnage qui a tendance à se mettre en colère très facilement, qui a tendance à devenir tout vert lorsqu'il se met en colère. Et non, je ne pars pas de l'incroyable Hulk de Louis Leterrier. Je parle du Hulk de Ang Lee. Et le Hulk d'Ang Lee, c'est un des films qui me fait le plus mal au cœur, pour être sincère. Parce que lorsque j'étais plus jeune, c'est un des premiers films de comics que j'ai vu, avec les Spider-Man. Je crois que j'ai vu les Spider-Man de Sam Raimi, et en même temps, le Hulk de Ang Lee. Je crois même que dans l'ordre, c'était premier Spider-Man, Hulk, deuxième Spider-Man. Et ce Hulk m'a profondément marqué lorsque je l'ai vu. Parce que j'ai été impressionné par la démesure qu'offrait Ang Lee à son long métrage. J'ai été impressionné par Eric Bana, qui finalement était hyper convaincant dans le rôle de Hulk. J'étais impressionné par les effets spéciaux qui, mine de rien, encore aujourd'hui, sont assez réalistes en un sens. En tout cas pour Hulk, je trouve. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être pas forcément hyper réalistes, notamment cette baston à la fin dans les nuages qui est pas du tout réaliste, mais qui est fantastique. Mais dans l'ensemble, je trouve que le film, dans la texture du Hulk, a réussi à être plus réaliste que celui de Leterrier ou même celui des Avengers, que je trouve pas forcément hyper bien fait pour le coup. Mais Ang Lee a surtout réussi à tenter une œuvre complètement hybride qui jouait avec le cadre. Et Ang Lee, il faut savoir que si vous connaissez un petit peu son cinéma, vous savez que c'est un metteur en scène qui adore jouer avec le cadre, qui adore multiplier les idées de mise en scène à la seconde et qui adore surtout faire en sorte que le cadre soit un endroit créatif dans lequel tu peux constamment amener des choses intéressantes. Que ce soit du découpage de cadre, que ce soit des jeux avec le format, que ce soit des jeux de montage, des jeux de raccord, des jeux d'équilibre entre deux plans, Ang Lee, il adore péter le cadre et faire ce qu'il veut avec. Et quand on dit à Ang Lee, hey, tu vas adapter un comics sur Hulk. Tu vois ce que c'est un comics? Tu sais, les pages où t'as plein de petites cases. Ok, c'est bon, je sais ce que je fais en mise en scène. Et là, Ang Lee, il te fait du split screen, il te fait de la séparation de cadre, il te fait des raccords avec des bulles de cadre. Enfin, c'est complètement pété. Hein. Vraiment, sa mise en scène, moi, je la trouve extraordinaire sur ce film. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut revenir. On peut revenir sur le côté très simple par moment du scénario qui n'a pas forcément tendance à être... comment dire, subtil. Et encore, je trouve que ça passe, honnêtement. Malgré le manque de subtilité, je trouve que ça passe. Et au-delà de ça, c'est un film qui passe son temps, en fait, à nous dire que, littéralement, le cadre est un endroit dans lequel tu peux faire ce que tu veux quand tu es un cinéaste. Et Ang Lee fait ce qu'il veut avec son cadre. Littéralement ce qu'il veut. S'il a envie de créer un champ contre champ dans un seul plan, il va séparer le 4 en 2, et faire comme si c'était deux cases de BD qui se parlent. Ça, c'est une super idée de mise en scène, par exemple. S'il a envie de montrer que le personnage va d'un endroit à un autre, il va le faire sauter d'une bulle à l'autre. Et donc, du coup, ça fait que, paf, il est dans un coin du cadre, séparation du cadre, il saute, il va dans l'autre cadre. Il y a plein d'idées comme ça. Pareil avec un hélicoptère, il fait la même chose à un moment. Il fait des raccords, des fois, c'est complètement pété. Enfin, ok, les chiens transgéniques un peu chelous... Je suis d'accord, c'est peut-être pas la meilleure idée de mise en scène ou d'effets spéciaux qu'a pu avoir Ang Lee sur ce film. Mais derrière, les combats sont fantastiques, l'ambiance est poignante, le combat central est quand même très fort parce qu'on n'est pas juste sur une histoire banale de « il fait une connerie dans un labo et maintenant on veut me voler mon produit ». Il y a ça, bien évidemment, mais il y a aussi une relation paternelle compliquée. Voire limite catastrophique, hein, faut être honnête. Mais du coup, pour moi, c'est ce qui m'a le plus touché dans ce film, c'est que on sent qu'Ang Lee, il n'a pas juste envie de faire un film de comics pour faire un film de comics. Il a envie de ancrer beaucoup de ses thématiques dans un film de comics pour pouvoir s'éclater avec sa mise en scène et en même temps amener une certaine profondeur à tout ce qui se passe à l'écran.
c'est ce qui m'a le plus touché dans ce film et que je ne retrouve pas du tout depuis dans le personnage de Hulk. Parce que le film de Le Terrier est une catastrophe ambulante qui n'a aucun sens en termes d'histoire et qui surtout, pardon du terme, est con comme ses pieds, aussi con que le choc des titans. Et au moins Ang Lee, lui, c'était un poète. Un poète qui utilise sa caméra pour peut-être faire des effets un peu putassiers, mais on n'a jamais dit qu'un poète devait être subtil dans ce qu'il devait faire. Et Ang Lee le montre très bien ici. Il n'est pas forcément subtil, mais c'est beau. Il n'est pas forcément fin dans ses raccords, mais ça a toujours un message qui est fort. Il n'est pas forcément toujours très juste dans ce qu'il cherche à mettre en scène, mais au moins il essaye de le faire avec le plus de sensibilité possible. Il y a beaucoup de scènes où franchement tu te sens ému par la posture dans laquelle se trouve Hulk et dans les moments où il se met en colère. Parce que tu te dis oui, c'est justifié. Est-ce que ça justifie de tout péter? Non, mais c'est justifié. Franchement, si encore aujourd'hui vous trouvez que Hulk est un personnage mal adapté, re-regardez le Hulk d'Ang Lee. Ou découvrez-le si vous ne l'avez jamais vu, parce qu'il est tout à fait possible que vous ne sachiez pas l'existence de ce film, tellement il a été enterré par tous ceux qui l'ont produit. C'est comme s'ils avaient absolument souhaité faire en sorte que ce film, on n'y pense plus du tout. Or, il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment une petite perle. Et c'est une des adaptations de comics les plus bâtardes possibles, mais franchement, c'est audacieux. Pour le coup, c'est très audacieux. Ainsi s'achève donc cet épisode 18 de Au coin du DVD. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film en question. Je pense que pour la plupart, vous l'avez déjà vu ce film et vous le connaissez bien. Si vous ne l'avez jamais vu et que vous le découvrez grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois en fin d'émission. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.